Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne matinée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une soixantaine de minutes avec des experts. Vous vous demandez sûrement de quoi on va parler. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la sécurisation des systèmes de sûreté pour les sites sensibles des entreprises et des administrations. Alors au cours de ce webinaire, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir vous donner des retours d'expérience, des approches, des outils pour mettre en place un système d'information résilient. Et bien sûr, répondons aux plus hautes exigences en la matière. Pour ça, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui vais vous parler du sujet. Je vous avoue que je serai juste l'animateur. Vous aurez la chance, durant ce webinaire, d'avoir l'avis d'experts qui sont autour de moi. Alors, je ne sais pas si vous les voyez pour le moment. Par ici et de l'autre côté, ils sont prêts, ils sont, je ne vais pas vous dire chaud parce que ça serait peut-être pas le mot, mais en tout cas, ils sont en forme pour vous donner toutes les informations. Avant de commencer et avant de vous laisser les découvrir, j'ai un petit jeu à faire avec vous. Alors, je sais que vous pouvez parler dans le chat actuellement. D'ailleurs, je vois vos premiers commentaires. On va faire un petit quiz, un peu comme qui veut gagner des millions, mais il n'y a pas de millions à gagner en fait. Sur ce premier jeu, je vais vous poser une première question. À votre avis, quel est le pourcentage des caméras IP en France de vidéosurveillance présentant des failles de sécurité? Vous avez trois choix. A, 20%, B, 40%, C, 60%. Vous avez, si vous le souhaitez, l'appel à un ami, c'est possible, hein, vous pouvez le faire, et on donnera la réponse un peu plus tard dans ce webinaire. Avant de commencer, j'ai peut-être oublié la chose la plus importante. Je vais laisser la parole à nos intervenants afin qu'ils puissent se présenter. Alors, messieurs, ne m'en voulez pas, mais je vais commencer par notre touche féminine du plateau. Bonjour Priscilla. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Donc Priscilla Fibloy, je suis en charge du marketing innovation pour Orange Business Service. Et Orange Business Service étant l'entité du groupe Orange qui va gérer les offres aux entreprises de la PME jusqu'au grand compte. Très bien, merci beaucoup. Claude, comment vas-tu ? Très bien, je te remercie Emmanuel. Donc Claude Foulon, je travaille à Orange France. Je suis responsable sécurité sur des grands projets. Alors en France, c'est la division du groupe en charge des clients, donc notamment avec différentes grandes entités qui sont la direction technique des systèmes d'information, voilà, qui va produire et construire les réseaux, la direction grand public, la direction entreprise, donc qui vont assurer la vente des services à nos clients, et puis les directions Orange, qui assurent le SAV, le commercial direct auprès de nos clients. Très bien, merci beaucoup. Luc ? Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, je suis Luc Bortolotti, je suis en charge des offres de sûreté chez GRT Gaz. GRT Gaz est un opérateur majeur de la transition énergétique et qui accorde une grande importance au développement des gaz renouvelables. Le sujet de la sûreté est un sujet qui est chez nous cœur de métier et donc c'est la raison de ma participation à cette discussion. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant même de commencer sur la première question, je vous rappelle à tous, derrière vos ordinateurs, que vous pouvez à tout moment poser vos questions durant l'ensemble du webinaire. On n'y répondra pas tout de suite, par contre à la fin, il y aura un temps qui sera dédié pour ça. Alors cette fois-ci, je vais me tourner vers Priscilla. Avant ça, je vais peut-être donner la réponse. Priscilla, je sais que tu as envie de la donner, je sais que tu la connais, mais je ne dirai rien. Alors, la bonne réponse sur le test était 40%, selon une étude menée par Genetech fin 2019, sur un parc d'environ 45 000 caméras connectées. Alors, ça m'amène à ma question. Elle est assez simple. Pourquoi aujourd'hui, il est aussi important pour les entreprises de s'intéresser à la protection de leur système de sûreté ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, plus qu'important, c'est vital. Et je pense que beaucoup des personnes connectées aujourd'hui savent que c'est un enjeu vital pour les entreprises et les administrations, parce que ce qui est en jeu, finalement, c'est la pérennité des entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que le numérique est partout et la sûreté n'y fait pas exception. Là où le bât blesse, si je puis dire, c'est que la convergence des réseaux IP avec les systèmes de sûreté de type vidéosurveillance, détection d'intrusion, gestion des accès, interphonie, etc., ça va créer des points d'entrée potentiels pour les cybercriminels. Puisque c'est des dispositifs qui ne sont pas toujours sécurisés, alors en termes d'hébergement, de flux, ou même la mise à jour régulière des équipements. Et donc, c'est autant de points d'entrée, encore une fois, pour les cybercriminels.
À cela, il faut ajouter la partie, alors le contexte autour du Covid qui fait qu'on a réduit significativement la présence sur site des équipes. Donc ça expose davantage les entreprises aux menaces physiques et la nécessité de faire des connexions à distance va aussi exposer aux risques cyber, parce que ce n'est pas forcément anticipé. Pour donner des éléments un petit peu concrets, si on fait un focus sur la vidéosurveillance, donc là on l'a dit, hein, c'est 40% des caméras qui sont exposées à des failles de sécurité. Alors Genetech l'explique dans son étude de deux façons. D'une part, l'utilisation de mots de passe standard 0000 pour un parc de caméras en entier. Ou encore le fait de ne pas avoir mis à jour régulièrement le logiciel embarqué. Voilà, donc c'est autant de raisons qui peuvent créer une vulnérabilité. Autre chose, donc si on donne quelques chiffres sur la vidéosurveillance, en 2019, c'est 4 des 12 exploits les plus communs qui visaient des caméras IP. Donc, les exploits, c'est des parties de programme qui servent à exploiter des failles de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on considère aussi, c'est qu'il faut s'y intéresser dès maintenant. Parce que finalement, le parc de caméras IP est amené à grossir. On imagine que les caméras analogiques vont de plus en plus se transformer pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est qu'on va migrer vers des nouveaux usages comme la vidéoprotection intelligente pour la sûreté, la sécurité, mais aussi des usages marketing dans le retail, par exemple, pour faire du comptage, de la qualification sur flux des personnes qui vont dans les centres commerciaux. Donc c'est important de s'y pencher dès aujourd'hui. Mais alors j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu pour les entreprises en fait ? Ça réside dans quoi ? Là, on a cité beaucoup de choses, on a cité différents systèmes de sûreté, on a parlé des flux, de l'hébergement. Donc tout l'enjeu va résider dans la capacité des entreprises de prendre en compte de bout en bout les systèmes de sûreté de façon physique et logique. Et le deuxième enjeu, si je puis dire, ça va être de trouver les compétences, parce qu'on va devoir, pour ce type de projet, déployer des compétences qui sont nombreuses, à la fois des métiers de la sûreté, bien sûr, qui sont indispensables, mais aussi au niveau réseau, cyber, IT. Et donc aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est que Orange dispose d'une partie de ses compétences et on complète avec l'expertise de la sûreté de GRTGaz pour adresser justement ces besoins dans leur ensemble. Eh bien d'ailleurs, en parlant de GRTGaz, vu que nous avons la chance d'avoir Luc, j'ai une question pour toi. Et elle est très concrète. Pourrais-tu me décrire aujourd'hui ce qu'est un système de sûreté moderne ? Alors, un système de sûreté moderne, c'est plusieurs choses. D'abord, un système de sûreté moderne, c'est des moyens humains. Des moyens humains, des personnes qui vont gérer le gardiennage, qui vont gérer l'accueil d'un site. C'est aussi des moyens physiques. Alors, quand on est en extérieur, ça va être des clôtures, des chicanes, des ouvrants instrumentés. Quand on va être en intérieur, ça va être des ouvrants renforcés, par exemple. Et puis, en complément de tout ça, il y a de la technologie. Un système de sûreté numérique qui sert à faire différentes choses, qui sert à faire du contrôle d'accès, de la détection d'intrusion, de la vidéosurveillance. Ce qui est important, c'est que ces éléments-là soient cybersécurisés pour rendre le système robuste et résilient. En amont de tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une efficacité ? Il faut penser organisation, politique, processus. Le numérique a une force dans cette histoire parce que le numérique, en centralisant l'information, permet d'organiser de manière différenciée une entreprise. Par exemple, avec des informations centralisées, on peut faire émerger un cockpit central de gestion des badges. On peut faire émerger un centre de vidéosurveillance régional, national, qui permet de superviser un ensemble de sites. Donc, grâce au numérique, il est possible d'organiser différemment ces fonctions-là dans l'entreprise. Ces sujets nous paraissent essentiels. Et en local, on va bien entendu retrouver des équipements qu'on va essayer de rendre le plus passif possible, de façon à ce que s'il y a un vol qui est opéré sur ces équipements, les voleurs partent avec le moins d'intelligence possible et que l'intelligence, elle, soit en centrale, de façon à rendre le système robuste, résilient et ne pas à chaque fois avoir à repenser les choses parce qu'on a un incident de sécurité qu'on n'avait pas anticipé. Très bien. Alors, avant de te poser ma deuxième question, je reviens vers vous, toutes les personnes qui nous regardaient derrière ce webinaire, pour vous poser la deuxième question du quiz. Parce qu'à la première question, on a vu que les réponses étaient bonnes à chaque fois. Donc, je me dis, il faut une question plus compliquée. C'est le moment. Quel est le coût des incidents de cybersécurité en France en 2019 ? Réponse A, 1,6 milliard d'euros. Réponse B, 800 millions d'euros. Réponse C, 2,1 milliards d'euros. Mes invités qui sont autour de la table vont peut-être vous donner un indice.
Non, ils ne vous diront rien. On attend de voir dans le chat, vous le saurez dans quelques minutes. Luc, je reviens vers toi. Comment vous avez abordé cette question de la sûreté sur les sites de GRT Gaz ? Alors, c'est une bonne question parce que pour nous, la sécurité est un sujet essentiel. Nous sommes un opérateur sensible et nous accordons par rapport à nos activités, par rapport à la pérennité de ces activités, une grande importance à ce sujet. Donc, la première chose que nous avons fait chez GRT Gaz, c'est de poser un plan de sécurité opérateur. Ce plan de sécurité opérateur nous a permis de nous questionner. Nous a permis de nous questionner sur la protection de notre patrimoine industriel, sur la manière de traiter des incidents de sûreté que nous avons connus dans l'entreprise, sur la façon d'être efficace économiquement en ayant des sujets qu'on est en capacité de décliner sur un nombre de sites conséquents, puisqu'on parle de plus de 100 sites, hein, des sites à la fois industriels et des sites tertiaires. Donc la question qui s'est posée, c'est comment finalement on peut aussi économiquement répondre à ce sujet de manière satisfaisante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Suite à ça, on a démarré un grand programme de sûreté, de mise à niveau de l'ensemble de ces installations, avec un volet numérique, technique, conséquent. Ce volet numérique technique traite du contrôle d'accès, de la gestion d'intrusion et de la vidéosurveillance. Le tout dans un contexte cybersécurisé. Il nous est apparu essentiel que nous apportions des éléments de cyber pour sécuriser ces solutions. Sans sécurisation de ces solutions, on aurait retrouvé de nouvelles failles. Et donc, toute la force du numérique se serait trouvée amoindrie par l'absence de solutions autour de ces thématiques-là. Bien entendu, on a, pour réaliser ce programme, l'ensemble des directions de GRT Gaz ont été contributrices, en particulier la direction de la sûreté, la direction des projets qui réalise encore ce programme, et la direction des systèmes d'information pour le traitement de l'aspect numérique et des enjeux cyber. Avec notre partenaire Orange, qui a réalisé le programme, nous sommes finalement les premiers clients de cette offre, nous continuons à traiter en parallèle, en plus de la réalisation de ce programme, des sujets d'innovation. On pourra citer par exemple la reconnaissance faciale pour sécuriser le contrôle d'accès. On peut aussi citer le recours à l'intelligence artificielle, dont Claude nous parlera certainement un peu plus complètement tout à l'heure. Le recours aussi à des radars pour superviser et sécuriser des sites industriels. Globalement, en construisant le programme de sûreté chez GRT Gaz, nous avons développé en interne des savoir-faire, un écosystème compétent et conséquent qui nous permet aujourd'hui de proposer ces solutions-là à d'autres entreprises, à d'autres organismes publics. Et dans cette offre, qu'est-ce qu'on propose ? On propose en amont de l'expertise et du conseil pour factualiser les éléments, une solution pour concevoir des systèmes de sûreté, la mise en œuvre de cette conception avec la réalisation de systèmes de sûreté, l'exploitation technique et l'accompagnement à l'homologation. L'ensemble de ces solutions, de ces services sont réalisés par Orange et GRT Gaz. En collaboration. En collaboration, tout à fait. Alors, là-dessus, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai un petit doute, hein. Je vous le dis tout de suite, je viens de regarder dans le chat au moment où on parle, je viens de voir les réponses qui ont été données sur le quiz et je pense que c'est pas la bonne. On a eu la réponse C, la réponse B et pourtant, il faut le savoir, la réponse était la réponse A. 1,6 milliard d'euros. C'est impressionnant. Je vais me retourner maintenant vers Claude. Claude, on ne t'a pas encore entendu depuis le début et je sais que tu as énormément de choses à nous raconter. On imagine facilement en fait que la sûreté et la sécurité sont au cœur des préoccupations d'Orange en raison en fait des nombreuses activités dont certaines sont critiques. Peux-tu nous dire comment sont organisées la sûreté et la sécurité chez Orange ? Alors, chez Orange, effectivement, on est un grand groupe. Donc, à ce titre, hein, on s'est senti effectivement obligé de définir une politique sécurité groupe. Donc avant tout, on a une direction sécurité au niveau groupe qui a défini un système de management de la sécurité, hein, et une politique globale. Et chaque pays, hein, chaque grande division du groupe doit mettre en œuvre cette politique et la décliner au niveau local. Alors pour moi, le niveau local, c'est la direction Orange France, hein, que j'ai présentée tout à l'heure. Donc au sein de cette direction Orange France, on a une direction de la sécurité et de la privacy qui couvre les domaines, on vient d'évoquer, de la sécurité ITN, de la cybersécurité, de la sécurité physique et de la privacy, de RGPD et les obligations légales. En fait, on a effectivement cette couche d'organisation, hein, où on vient
concentrer l'ensemble de ses préoccupations au sein d'une même direction. Et cette direction va animer l'ensemble des grandes entités d'Orange France pour la mise en œuvre de ces politiques, donc au travers de directeurs délégués à la sécurité globale, hein, donc on a vraiment une approche globale, directeurs de sécurité ITN, ou qui ont aussi en charge la partie privacy, pour déployer l'ensemble de ces politiques au sein des grandes entités. Donc moi, je fais partie de la direction Entreprise France, et au sein de cette direction, effectivement, on a cette animation pour faire passer l'ensemble de ces politiques au plus près du terrain. Alors, mais ça aussi, c'est quelques chiffres, hein, c'est que pour Orange France, aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement tous les ans, hein, sur ces aspects de sécurité. Alors sur la partie sûreté, hein, donc ce chiffre-là serait parti à peu près 50% de sécurité humaine, 60% d'investissement, de CAPEX, hein, sur le matériel, et puis à peu près 35% de coûts d'OPEX, d'opération, au sein d'Orange France. D'accord. Mais alors, d'ailleurs, Claude, entre nous, hein, j'ai stalké un peu ton profil avant, j'ai fait des recherches, tiens à vous le dire. Je crois savoir que tu as été directeur de la sécurité sur l'Île-de-France pendant 7 ans. Oui, tout à fait. Je ne sais que ça, promis, je ne sais que ça. Voilà. Donc, effectivement, j'ai un background très opérationnel, hein, à la fois sur des grands projets, sur des projets de réseaux de sécurité gouvernementaux, mais aussi sur Orange France et la direction Orange Île-de-France, pour laquelle j'ai développé l'ensemble de ces politiques. Alors, quelques chiffres, hein, pour qu'on ait un ordre d'idée. L'Île-de-France, c'est 650 000 mètres carrés de bureaux et de sites techniques. Voilà. C'est aussi 450 sites. Répartis sur l'ensemble du territoire, donc, dont une trentaine de sites sensibles, donc tout à fait la cible de l'offre Flexible Safety. Alors, 1500 caméras, 4500 points d'alarme, 950 tableaux d'incendie, et mais quelques chiffres intéressants, c'est 550 000 contrôles annuels que l'on doit réaliser, plus de 90 000 événements de sécurité à gérer. Alors, comment fait-on pour faire tout ça? Hein, parce que c'est ça, effectivement, l'enjeu. C'est aussi l'exploitation opérationnelle de tout ça. Ben, on développe des réseaux. Hein, on met en place des systèmes d'information pour pouvoir le réaliser. Plateforme technique, des gens pour le gérer, mais aussi la nécessité importante d'assurer la confidentialité, la sécurisation cyber de cet ensemble. D'où la pertinence, effectivement, d'avoir cette approche aussi globale et qui focalise sur la nécessité d'avoir des systèmes qui soient, de ce point de vue, résilients par rapport aux attaques externes. Alors, si je reviens simplement sur l'aspect un peu opérationnel, donc, on a mis en place, nous, sur une approche territoriale et à la fois nationale, un centre de sécurité et de supervision unifié, voilà, qui permet de gérer différents process de sécurité qui soient local. Donc, tout à l'heure, effectivement, comme nous le disait Luc, on peut avoir une approche régionale ou une approche nationale. C'est ce qu'on a mis en place, en fait. Donc, on a une approche nationale sur des process de sécurité comme les vols de câbles, par exemple, hein, où ce centre de supervision réalise ce travail de lutte contre les vols de câbles. Alors, juste peut-être un chiffre, hein, c'est qu'en fait, la mise en place de ce type de dispositif nous permet d'être extrêmement performants. Voilà. Et nous oblige aussi à coopérer avec l'ensemble des acteurs, externes et internes. Donc, il y a aussi cette dimension qui est aussi très importante. Alors, donc, j'ai cité cette approche nationale, puis une approche aussi régionale pour la surveillance, la sûreté, la sécurité de nos sites techniques et tertiaires, sur la vidéosurveillance, sur le contrôle d'accès, sur l'interphonie et la sécurité incendie. Voilà. Et l'ensemble de cette organisation apporte un véritable plus, hein, sur cette gestion globale, sur cette vision globale, à l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des activités d'Orange. Très bien. Alors Claude, avant de te poser une autre question où on parlera de boucle locale, vous allez voir, et en plus, il vous expliquera ce que c'est parce que moi, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Avant ça, nous avons une dernière question à vous poser, un dernier quiz, pour voir si vous pouvez trouver directement la réponse. Cette fois-ci, on va parler du taux de résolution de vol des métaux en France. D'après vous, quel est le taux de résolution de vol des métaux en France? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de vol dans lequel l'auteur est identifié. Réponse A, 15%. Réponse B, 38%. Réponse C, 8%. Si vous regardez Claude, peut-être qu'il vous donnera un indice avec les doigts. Peut-être. Je dis ça, je ne dis rien.
Alors Claude, je reviens vers toi pour ma question. Si on fait un focus sur la partie boucle locale, alors je sais que tu vas l'expliquer juste après, quels sont les enjeux auxquels Orange fait face et quelles solutions sont mises en place pour assurer la sûreté des installations? Alors je pense que c'est effectivement un très bon cas d'usage à évoquer. Et puis merci Emmanuel de poser la question. Alors la boucle locale, c'est quoi? En fait, c'est le dernier kilomètre entre le nœud de raccordement abonné et puis le client. Donc ce dernier kilomètre, c'est de la fibre, c'est du cuivre. Bon, historiquement, c'est un réseau cuivre. Et ce réseau est de plus en plus soumis à des nouvelles menaces. Alors, il y a une menace qui est historique, qui est celle du vol de cuivre. Aujourd'hui, le cuivre atteint un record historique. On est à près de 8000 euros la tonne de cuivre, ce qui fait qu'on observe un regain des vols sur cette infrastructure. Mais on a aussi effectivement des mouvements qui sont plus profonds, qui sont idéologiques. Donc on a des attaques sur nos antennes 5G, par exemple. Donc ça touche Orange, mais ça peut aussi toucher d'autres opérateurs d'infrastructure. On a aussi des atteintes à nos armoires fibres. Et tout ça, effectivement, nous amène à vouloir mettre en place des nouvelles solutions de sécurité pour faire face à ces nouvelles menaces. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important, c'est cette capacité, cette agilité à pouvoir adapter nos dispositifs de sécurité pour cela. Et c'est vrai que l'IoT et l'intelligence artificielle nous offrent de nouveaux domaines d'innovation technologique pour être beaucoup plus performants. Donc, pour ça, effectivement, on a une démarche, nous, d'innovation qui fait appel à trois leviers. Donc, on a un levier qui est autour de la recherche et développement interne. Donc, on a la chance, chez Orange, d'avoir des équipes extrêmement performantes dans le domaine. Et notamment, je voulais insister aussi sur notre capacité à développer des solutions qui marchent dans le domaine de l'intelligence artificielle et du computer vision. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, ça, c'est cette capacité d'Orange de pouvoir créer l'innovation et de l'amener sur le terrain et d'avoir des vraies réponses. On a aussi, nous, une démarche chez Orange et d'autres entreprises, nous, d'intrapreneurs pour faire émerger des solutions et portées par des salariés. Et donc, à ce titre-là, on a, nous, développé une solution de contrôle d'accès sur les armoires fibres, parce qu'on a aussi une problématique, nous, aujourd'hui, sur le SAV, sur les armoires fibres, et c'est au travers de ce type de démarche qu'on a su aussi apporter de nouvelles solutions. Et puis pour finir, on a aussi l'appel aux startups, aux entreprises qui savent aussi innover, parce que nous, on ne va pas tout porter, on ne sait pas tout porter. Il faut aussi savoir écouter le marché. Et dans ce domaine-là, on a deux façons de faire. On a une direction chez nous qui est capable d'identifier un peu les pépites, les sujets ou les technologies qui pourraient bénéficier au groupe. Et c'est aussi au travers des salons, au travers des approches directes, où on permet des startups de nous apporter des solutions. Et là, si je regarde le slide, on a donc une solution qu'on a appelée Flaptrap, qui est un système d'ouverture, de contrôle d'ouverture des trappes dans la rue, qui est un outil qui est extrêmement utile actuellement pour prévenir les vols de cuivre. Voilà. Et l'ensemble de ces dispositifs, en fait, si je voulais effectivement répondre au quiz sur le vol de métaux, en fait, aujourd'hui, nous, on arrive à Orange à un taux de résolution des affaires, c'est-à-dire qu'on a un auteur identifié pour un vol de câble dans une instruction judiciaire à 35%. Voilà. Aujourd'hui, c'est le taux auquel, aujourd'hui, nous, Orange, nous sommes capables enfin, en tout cas, c'est l'élément qui nous permet de prouver que notre système est efficace par rapport à ce phénomène. Mais je rebondis là-dessus en donnant la réponse en fait de ce quiz. Alors on l'a eu dans le chat, 8% aujourd'hui en fait de taux de résolution, c'est-à-dire que vous êtes largement au-dessus pour le moment de ce qui est fait sur le marché. Alors par rapport à ça, petite intervention auprès de toutes les personnes qui nous font des commentaires et des questions. Ne vous inquiétez pas, elles sont prises en compte, on va en parler à la fin, on garde un temps pour répondre à vos questions. Et je me retourne cette fois-ci vers Priscilla pour te poser encore une petite question. J'en ai encore deux pour toute l'intervention. Je suppose que c'est ce que nous a parlé Claude. Je suppose que les problématiques, que c'est des problématiques que tu rencontres aussi chez vos clients. Exactement. En fait, là, on a l'exemple concret à travers l'explication de Claude pour un opérateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, c'est les mêmes problématiques à partir du moment
où une entreprise doit disposer des équipements sur la voie publique ou chez son client final. Donc, on ne peut pas mettre un agent de sécurité à côté de chaque armoire fibre, à côté de chaque compteur. Et donc, effectivement, on va retrouver ces problématiques très souvent. C'est un petit peu, en fait, pour donner un exemple d'ailleurs, la solution FlapTrap, elle va être commercialisée notamment par Orange Business Service également. Et on a aussi des compétences au niveau d'Orange Cyberdéfense pour la sécurisation des dispositifs IoT. Et c'est globalement un peu la philosophie du partenariat avec GRT Gaz autour de Flexible Safety, c'est de pouvoir proposer des solutions qui ont été testées, éprouvées pour nos propres besoins, que ce soit pour Orange, Orange Business Service ou GRT Gaz. Très bien. Alors, par rapport à ça, nous arrivons dans la troisième partie, Priscilla, du webinaire. Et je vais me tourner cette fois-ci vers Luc pour lui demander plus concrètement. Je sais qu'il y a un partenariat, une collaboration forte hein, entre Orange Business Service et GRT Gaz autour de Flexible Safety. J'espère que vous avez reconnu mon accent anglais. Est-ce que vous pouvez tous les deux me dire quelques mots sur de quoi il s'agit, comment ça se passe? Je laisse la parole à la personne qui le souhaite. Emmanuel, très bel accent anglais. Merci beaucoup. Thank you very much. GRT Gaz et Orange proposent une approche innovante du sujet. C'est-à-dire que dans l'approche qui est la nôtre, nous traitons tous les aspects de la sûreté, que ce soit des aspects politiques, que ce soit des aspects liés à l'organisation, au processus et à la technologie. In fine, on propose une offre 360 qui couvre l'ensemble des aspects de la sûreté. En particulier, le focus est mis sur les aspects numériques, sur la partie technologique avec le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la détection d'intrusion. Finalement, notre offre, elle va permettre de faire quoi? Elle va permettre de traiter les menaces physiques qui pèsent sur les systèmes, vols, vandalisme, menaces liées au terrorisme. Elles sont nombreuses, Claude en a cité un certain nombre tout à l'heure, et les menaces liées à la sécurité des systèmes numériques, la cybersécurité de ces solutions, de façon à éviter que ce soit d'autres portes d'entrée pour des pirates, pour des cybercriminels qui pourraient s'introduire dans ces systèmes et les rendre défaillants. Donc voilà, l'offre qu'on propose, c'est une offre qui est complète et qui traite tous ces aspects-là. On peut bien entendu mettre le focus sur un sujet donné si nos clients sont intéressés plus par un sujet que par les autres. D'accord. Alors, par rapport à ça, je me retourne vers toi encore une fois, Priscilla. Cette approche 360, ça veut dire qu'il y a plusieurs briques à l'intérieur, ça se Exactement. Passe comment ? En fait, ça va se décliner en 5 briques, mais pour rebondir sur ce que disait Luc, on est vraiment sur une offre qui est modulaire. Donc, on va avoir des briques qui sont à la fois indépendantes et complémentaires de façon à s'adapter, déjà à proposer une solution de bout en bout, de l'audit à l'exploitation et au maintien en conditions opérationnelles, mais surtout de pouvoir accompagner les clients, quel que soit leur niveau d'exigence en matière de sûreté, mais aussi quel que soit leur niveau de maturité sur le sujet. Et on voit très bien qu'en France, c'est très hétérogène sur ces problématiques-là. Donc, pour donner un peu ces 5 briques, on a l'expertise et conseil, donc en amont des projets. On va avoir l'hébergement des applicatifs de sûreté, la connectivité des sites. Et alors, je profite de l'occasion pour clarifier en fait notre rôle avec les acteurs de la sûreté. Donc, on héberge des applicatifs en mode SaaS et on gère la sécurité, la cybersécurisation des dispositifs. On n'a pas vocation à remplacer les éditeurs, les intégrateurs de la sûreté. On est là pour fédérer un écosystème et assurer en fait le fonctionnement global de la solution avec nos équipes. Ensuite, on va avoir évidemment la gestion des applicatifs de sûreté pour tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles et de sécurité, l'accompagnement à l'homologation et toutes ces prestations, elles prennent en compte bien sûr la gestion multisite puisqu'on va pouvoir déployer ce type de solution pour un jusqu'à X sites de façon aussi à prendre en compte la diversité des problématiques sur un parc industriel, par exemple. Là, on n'a pas deux sites, on n'a pas deux entreprises qui fonctionnent de la même façon. Donc, on a cette capacité à s'adapter à chaque organisation et par exemple, à offrir une gestion centralisée tout en gardant de l'autonomie en local pour certains sites. Très bien. Luc, je me permets encore une fois, je reviens vers toi. Concrètement, que propose alors GRT Gaz dans le cadre de cette collaboration ? Ouais, GRT Gaz vient avec sa sensibilité. GRT Gaz est un opérateur qui connaît le métier de la sûreté et apporte cette compétence. En particulier, on va amener des sujets autour de l'audit de sites, tertiaires ou industriels. On va aider des entreprises à sensibiliser des acteurs internes sur les sujets de la sûreté. On va aider des entreprises ou institutions publiques à poser des questions et à élaborer une politique de sûreté. On va pouvoir travailler à la conception de systèmes de sûreté et accompagner des entreprises qui s'étalent sur la voie de l'homologation pour celles qui le souhaiteraient.
Les marchés qu'on vise et les acteurs qui sont potentiellement intéressés par notre offre, c'est tous les acteurs qui sont sensibles à cette question de la sûreté. Toutes les entreprises qui ont une sensibilité particulière, les acteurs du monde industriel, en particulier ceux qui ont des sites Céveso. Également tous les opérateurs d'infrastructures pour lesquels ces questions sont prégnantes et se posent particulièrement. Et bien sûr, les acteurs publics et en particulier les collectivités territoriales dans lesquelles des questions actuelles se posent, notamment sur des sujets en lien avec l'atteinte à l'image de l'État et le besoin que ces acteurs-là ont de maintenir la sûreté, la sécurité de leurs activités, de leurs installations. Au final, on traite une grande palette de sujets pour l'ensemble de ces acteurs et ce marché que je viens de citer. Très bien. Alors, le point sur les collectivités publiques a été repris dans le chat. On a vu que c'était un point important que les gens mettaient en avant. D'ailleurs, merci à tous pour vos nombreux commentaires dans le chat et vos nombreuses questions. Ne vous inquiétez pas, on ne les oublie pas. On va les prendre dans quelques minutes. J'enchaîne directement cette fois-ci vers Priscilla. Je reviens vers toi encore une fois. Même question, mais cette fois-ci pour les équipes, en fait, tout simplement, d'Orange Cyberdéfense et les équipes Cloud d'Orange Business Service. Mm. En fait, est-ce que tu peux me dire concrètement comment ça se passe? Alors, concrètement, ce qu'on va délivrer comme prestation, comme service, comme tu disais, on a deux grandes compétences qui vont intervenir. Donc, nos compétences autour des services cloud de confiance, parce que c'est un point important, et les équipes Cyberdéfense. Donc, au niveau des équipes cloud d'Orange Business Service, ils vont avoir en charge le design et la conception d'une architecture cible qui répond aux enjeux de sûreté des clients. On va également gérer toute la partie hébergement, donc sur un cloud de confiance, et le maintien en conditions opérationnelles des applicatifs de sûreté. Pour donner un exemple concret, parce que je pense qu'on a beaucoup de participants aujourd'hui qui sont soumis, notamment peut-être, à la loi de programmation militaire. Donc, pour donner un exemple sur l'hébergement, on va pouvoir proposer un hébergement en cloud privé, en dual room, avec chaque salle fermée, la ségrégation des zones, des équipements dédiés pour chaque tâche, ce type de prestation. Donc, on peut aller assez loin. On va travailler, bien sûr, main dans la main avec les équipes d'Orange Cyberdéfense, qui sécurisent globalement toutes nos offres cloud et pas seulement le cloud privé, sur la sécurisation, donc tout ce qui est chiffrement, authentification, et également un point très important pour les personnes soumises, enfin pour les entreprises et administrations soumises à la LPM, on va pouvoir mettre en place un cockpit sécurisé de façon à gérer la supervision et la production sur la solution. Au-delà de l'accompagnement sur la sécurisation du cloud, on va pouvoir retrouver les équipes cyberdéfense en amont des projets, notamment sur les audits, les pentests, tests d'intrusion, et en aval avec l'accompagnement également de GRTGA sur l'accompagnement à l'homologation pour les directives NIS et la LPM notamment. Et dernier point très important pour nous, c'est la co-innovation. Alors, on va être en mesure de déployer des expertises, des solutions avec nos clients, de co-construire avec eux à travers des workshops, plusieurs workshops pour les aider dans leur réflexion, la maturation des projets, de façon à pouvoir les aider à tirer parti des nouvelles technologies pour leurs besoins de sûreté. Alors, tout à l'heure, je l'ai entendu de plusieurs bouches, j'ai entendu un mot. Encore une fois, c'est le moment de juger mon accent anglais, ne m'en voulez pas. Computer vision, là-dessus. Et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux me dire ce que vous faites au niveau de la partie innovation, en fait? Alors, oui, très bel accent, encore une fois. Donc, c'est une des technologies qu'on a identifiées comme étant très prometteuse sur le marché, et en particulier pour la sécurité et la sûreté. En deux mots, ça consiste tout simplement à ajouter de l'intelligence artificielle au niveau des caméras IP de surveillance et à analyser en temps réel les flux vidéo en fonction de critères définis en amont. Et donc Claude donnera un très bon exemple de ce qui a été déjà déployé pour nos propres besoins. De cette façon, grâce à ce qu'on aura détecté, on va pouvoir déclencher des actions. Alors ça peut être les actions classiques qu'on fait déjà en vidéosurveillance, à savoir la levée de doute, le signalement aux forces de l'ordre, mais on peut aussi imaginer des actions plus automatiques comme la fermeture d'une porte, d'une zone entière, ou le déclenchement d'autres actions automatiques. Mais alors c'est quoi les usages qu'il va y avoir derrière ça? Alors il y a beaucoup d'usages. Ce qu'on constate, la technologie, c'est plus l'imagination et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Donc pour donner des catégories d'usages qui vont parler aux participants d'aujourd'hui, pour les collectivités, on peut commencer par là, ça va permettre de renforcer la sécurité globale au niveau des villes, de rassurer les administrés, mais aussi, par exemple, de détecter un stationnement gênant ou dangereux,
ou encore de pouvoir des déchets laissés au mauvais endroit, des encombrants laissés au mauvais endroit sur la voie publique, pouvoir réagir plus rapidement. Sur la partie transport, on va retrouver un usage alors qui est un peu plus courant, c'est la détection de bagages abandonnés. Et si on peut donner un exemple sur l'industrie et les sites sensibles, les sites qui accueillent du public, on va pouvoir faire plusieurs choses. Les plus intéressantes, ça va être l'analyse comportementale. On va pouvoir détecter des comportements malveillants, ça peut être les vols et les dégradations ou dangereux. Où on va pouvoir, au-delà de l'analyse comportementale, pouvoir faire une surveillance de zone dédiée. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'une boutique, je veux rentrer dans l'arrière-boutique, mais je ne porte pas l'équipement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je n'ai pas l'uniforme de l'entreprise, c'est que je ne suis peut-être pas autorisée à rentrer. Donc, on peut envoyer une alerte dans ces cas-là. Ou dans le secteur purement industriel ou le BTP, de pouvoir vérifier qu'une personne qui rentre dans une zone dangereuse va avoir ses gants, ses chaussures renforcées, son casque sur la tête. Voilà, pour envoyer une alerte. Très bien. Et ce type de solution, j'imagine que ça s'interface avec l'infrastructure, c'est... Exactement, en fait, c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la technologie, c'est que, et en tout cas pour certains cas d'usage, parce que parfois on va devoir compléter le parc de caméras, mais globalement, on va s'interfacer avec une solution de supervision et un parc de caméras qui est existant à partir du moment où c'est des caméras IP. Donc ça, c'est le premier point. En termes de déploiement, c'est assez souple de ce point de vue-là. L'autre chose qui est le gros avantage de la solution, c'est finalement de pouvoir tout simplement réduire les délais de réaction et de détection des comportements malveillants, des accidents et tout ce qui peut se passer dans une structure qui accueille du public où on a des activités dangereuses. Et le dernier point qui est très important sur ce type de technologie, on en a tous entendu parler dans l'actualité, dès qu'on parle d'images, de flux vidéo, d'intelligence artificielle, il y a des problématiques réglementaires, éthiques. Sur la partie éthique, évidemment, nous on a pris des engagements forts au niveau d'Orange Business Service, à travers la signature d'engagement, mais également dans le développement de nos solutions, on part sur des solutions qui sont privées by design. C'est-à-dire que plutôt que de dire on collecte les données et on ne les utilise pas, on ne collecte pas de données dès le départ. Comme ça, aucun risque. Et notre rôle, nous, auprès de nos clients, c'est aussi d'effectuer cette veille réglementaire. Et l'exemple qu'on peut donner là où il y a des sujets qui vont arriver, c'est sur la biométrie. Et Luc en parlait tout à l'heure sur la partie badge. De pouvoir remplacer les badges, qui sont des dispositifs physiques et qui forcément présentent des failles, on va pouvoir déployer, dès que ce sera possible, des solutions pour sécuriser l'accès grâce à la biométrie sur des sites sensibles à accès très limité. Très bien. Claude, je me retourne vers toi parce que là, moi, je suis friand de ce que tu vas me raconter. Je sais qu'il y a une expérimentation autour de la Computer Vision chez Orange. Tu peux nous partager les bonnes pratiques pour mettre en place ce type de solution et puis j'imagine aussi les enseignements que vous avez pu en tirer. Alors, je précise à l'ensemble des participants, vous vous doutez bien que pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut pas vous dévoiler tous les détails et l'emplacement de ces dispositifs. Claude, je t'écoute. Oui, merci, Emmanuel. Donc, alors, effectivement, déjà en préalable, effectivement, c'est une démarche qu'on a commencé, nous, en 2019. Et c'est vrai qu'on a commencé par consulter le marché sur ces questions de Computer Visions. Qu'est-ce qu'on était capable de faire? Quels étaient les acteurs de ce marché qui étaient capables de répondre à nos problématiques? Et au travers de ce travail déjà de compréhension du marché, ce qui est très important, qu'est-ce qu'on était capable de faire? Qui était capable de répondre? Donc on a consulté et en fait, on a aussi consulté OBS, Orange Business Service, et OCB, qui développaient ce type d'offre. Et en fait, on n'est pas directement allé voir OCB, c'est-à-dire qu'on les a mis en concurrence, et c'est vrai qu'OCB a été le mieux disant aussi par rapport à notre problématique et à notre attente. Donc on a décidé de partir avec OCB sur ce projet Computer Visions, sachant qu'on avait, nous, des use cases liés à la sécurité-sûreté, qui était très important pour nous. Alors, ce que je peux préciser déjà, c'est sur ce type de projet, soyez ambitieux. C'est-à-dire, ne vous limitez pas sur les use cases. C'est très important d'être ambitieux sur les use cases. Et puis aussi, ne vous focalisez pas sur le sujet de la vidéo en temps réel. C'est-à-dire que effectivement, la plupart des use cases sont sur l'utilisation en temps réel de la vidéo, mais sur le temps différé, sur l'analyse à froid, il y a énormément de choses aussi à aller chercher. Donc, on a aussi, nous, développé des use cases à froid. Alors juste pour donner juste une petite idée, un petit chiffre là-dessus, c'est qu'on a travaillé sur l'analyse réglementaire et fonctionnelle de l'ensemble de notre parc de vidéosurveillance. Est-ce que je suis capable de dire en temps réel si l'ensemble de mon parc
et réglementaire, c'est-à-dire que ce que je respecte mes exigences CNIL, parce que j'ai déclaré que mes caméras avaient un certain angle de vue, il faut que j'ai un certain niveau de qualité de mes vidéos, ce qui est maintenu dans le temps. Et donc ces use cases à froid, aujourd'hui, on fait nous 5 tests maintenant par jour. On va définir si on est conforme CNIL, on va vérifier si notre système de vidéosurveillance fonctionne. Et tout à l'heure, j'avais cité le chiffre de 550 000 contrôles unitaires que l'on fait par an. Sur ce use case dans les vidéos, on fait 2 millions de contrôles par an pour nous assurer, donc 2 fois par jour, si l'ensemble du système de vidéosurveillance sont fonctionnels. Et ça, c'est grâce à Computer Visions. Donc ce n'est pas aussi que l'analyse à chaud, c'est aussi l'analyse à froid, et c'est important de le dire. Et sur l'analyse à chaud, alors là, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est là où, effectivement, il y a, au niveau des capacités de développement et des savoir-faire, où là, il y a des choses, effectivement, très importantes. C'est très important de s'appuyer sur des gens qui ont de fortes compétences. Et là, pour le coup, nous, on a un retour d'expérience où, dans la démarche, telle qu'elle nous a été présentée, parce que quand on a commencé ce projet, nous, on ne savait pas comment faire. Donc, dans cette démarche, il y a aussi, effectivement, une bonne appropriation de ces questions qui nous a été apportée par OCB, dans la gestion de projet et dans l'approche. Et donc, ce que j'ai retenu aussi qui est très important, c'est qu'il faut dire qu'il y a à peu près 3 temps dans le développement d'un projet Computer Visions. D'abord, il y a une première partie où on va travailler sur les use cases, on va commencer à travailler en labo, pour affiner le besoin et le cahier des charges. Ensuite, il va y avoir un deuxième temps, et ça a été une belle proposition qui a été faite, c'est ce qu'on a appelé, nous, l'acteur studio. C'est-à-dire qu'on va prendre des acteurs et on va filmer. On va reproduire la situation que l'on souhaite détecter. Et tous ces films d'acteurs studio sont une nourriture extrêmement importante au modèle, pour le modèle d'IA. Et donc ce travail acteur studio est important au début du projet, mais aussi pendant le déroulement de ce projet. Et puis après, il faut se mettre en situation réelle. Parce que la situation réelle, ça va être effectivement le constat que le système est bien opérationnel. Parce que l'un des risques de ces systèmes d'IA, c'est ce qu'on appelle, nous, le faux positif. C'est-à-dire qu'on va noyer des équipes de supervision qui vont recevoir les alarmes, qui sont censées identifier les situations à risque, on va les noyer d'alarmes. Voilà. Donc il faut avoir un système qui soit à l'équilibre, qui ne fasse pas trop de faux positifs, parce que si je prends le cas des use cases qu'on a travaillé, qui est donc la détection en temps réel des braquages, donc les use cases, c'est les personnes lèvent les bras en l'air, se couchent à terre, je détecte un pistolet, une bombe lacrymogène, alors qu'est-ce qui différencie un couteau d'un téléphone qui est mis un peu de côté, comme ça, on voit une lame. Donc le contexte dans lequel on met le système et dans le contexte dans lequel on demande de faire des détections est très important. Donc, il faut aussi le tester en production. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est vraiment 3 temps différents. Et il faut tester alors, les faux positifs et les faux négatifs. Donc, le système doit répondre à la sollicitation. Donc, quand on veut détecter une arme, il faut qu'il détecte une arme. Voilà. Mais il ne faut pas qu'il détecte trop de fausses alarmes. Et ça, c'est vraiment très important dans le cadre du projet de traiter ces 3 points. Et puis le dernier point aussi, en amont, et je pense que vous le savez tous, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un problème de pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut éviter de rentrer dans les peurs, dans les idéologies. Voilà. Donc c'est des sujets qu'il faut absolument expliquer. Il faut traiter les questions RGPD. Il faut rentrer dans les process dans l'entreprise. C'est pas parce qu'on est en POC, c'est pas parce qu'on a fait une expérimentation qu'il faut se dire qu'on peut s'affranchir dès le départ, by design, au lancement du projet, de répondre à l'ensemble des exigences et des obligations en matière de RGPD pour éviter de planter un projet. Nous, ça a failli nous arriver. Donc, on peut le dire qu'il faut absolument faire cette démarche-là. Et puis, le dernier point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la qualité des réseaux est essentielle. Alors, évidemment, il y a 2 modes. On peut faire de l'edge, in-premise, c'est-à-dire que le système d'analyse est dans le site, donc on n'a pas vraiment problème de réseau, mais on a voulu, nous, travailler dans le cloud, surtout pour des aspects économiques. Voilà. Et quand on travaille dans le cloud, la performance réseau est directement liée à la performance du système. Donc ça aussi, il faut vraiment l'avoir en tête. Nous, on l'a démontré au travers de cette expérimentation qui d'ailleurs passe en production sur la partie analyse afro aujourd'hui, donc on déploie chez Orange pour l'analyse réglementaire et de qualité vidéo, mais cette partie-là est essentielle. Alors là-dessus, j'imagine qu'il y a aussi un objectif, des limites. Qu'est-ce que ça donne là-dessus? Parce qu'on a eu tu viens de nous faire un état des lieux, mais j'imagine que vous avez des petites, je ne vais pas dire des failles, mais plutôt des limites sur le projet. Comment tu le vois? Alors oui, effectivement, il y a des use cases qu'on avait imaginés au départ qui, on n'a pas pu les réaliser.
Donc on a voulu détecter les situations de lutte, par exemple. C'est pas qu'on n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire que le fait d'identifier des personnes qui se battent dans un environnement est quand même très complexe en matière d'approche IA, parce qu'on a des gens qui ont les bras autour, enfin des couples, hein, des gens qui ont peut-être aussi des mouvements, parce qu'ils ont l'habitude de parler beaucoup avec les mains, avoir des gestes rapides. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. Et si on veut vraiment bien le faire, ça nécessite des développements plus longs, mais surtout beaucoup de capacités de calcul. Et si effectivement on veut le faire, eh ben, quand même le calcul c'est un coût en mode cloud. Et après, il faut effectivement mesurer ces questions-là. Donc c'est là où on va peut-être pencher à un moment donné sur dire est-ce que je fais de l'edge ou est-ce que je fais du cloud en fonction du type de use case, de cas d'usage que je veux détecter. Donc ça, c'est effectivement très important aussi d'avoir ça en tête parce que voilà, nous, on n'y est pas arrivé et puis on s'est dit que c'était plutôt un use case secondaire. Voilà. Donc on l'a mis de côté en fait. Donc ça, effectivement, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Et puis après aussi, autre chose, c'est que bon, on a appris hein, avec ce projet, c'est aussi la question de la mise en œuvre des caméras, hein, donc les champs de vision, voilà, donc la profondeur de champ, de pouvoir dire au système, d'apprendre au système à gérer cette profondeur de champ, donc de pouvoir calculer les angles de caméra, de mesurer les profondeurs de champ et d'adapter l'algorithme en fonction de la position des mouvements dans l'image. Et ça aussi, c'était quelque chose qu'on a appris, qu'on n'avait pas forcément compris dès le départ. Donc en fonction de la profondeur de champ, ça va aussi influer sur la qualité de l'image, donc la qualité de la caméra. Donc il faut aussi adapter les qualités de la caméra en fonction du contexte dans lequel on va intégrer le système. Voilà, ça aussi, ça on l'a appris et on ne l'avait pas forcément compris dès le départ. Très bien. Alors, merci à tous les trois. Vous le savez, j'aimerais rester avec vous toute l'après-midi et avec vous aussi, mais nous avons un temps limité, c'est-à-dire 60 minutes pour vous convaincre. Je vais vous demander rapidement, parce qu'il nous reste 10 minutes, de conclure, de me donner, imaginons, il y a des personnes qui sont arrivées maintenant et ils ne doivent retenir qu'une chose de tout ce webinaire. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Priscilla, je commence, messieurs, j'ai envie de venir vers vous, mais encore une fois, la galanterie me fait aller vers Priscilla. Alors, je pense que ça transparaît dans les différentes interventions de Luc et Claude, et c'est que le succès de ce type de projet, de pouvoir gérer les systèmes de sûreté, les sécuriser de bout en bout, ça repose en grande partie sur la capacité des équipes pluridisciplinaires à travailler ensemble, que ce soit le métier de la sûreté, l'IT, cyber, le réseau, et y compris les directions innovation, parce qu'on a parlé beaucoup d'innovation aujourd'hui. Donc la conduite du changement et la prise en compte de l'élément humain est indispensable pour la réussite de ce type de projet. Merci beaucoup. Luc, pour toi. Moi, je dirais une chose essentielle, qui est que la cybersécurité est essentielle pour pérenniser les systèmes de sûreté numérique. Sans cybersécurité, les investissements ne sont pas efficaces. La cybersécurité doit être pensée dès la conception et durant toute la vie de ces projets pour faire en sorte que ces investissements soient pérennes, robustes et efficaces. Très bien. Claude, c'est à toi. Alors, moi aussi, je rajouterais, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait une approche, il faut avoir une approche globale de la sécurité, à la fois la sécurité physique, à la fois la sécurité cyber, la conformité réglementaire, être agile, voilà. Donc avoir aussi une parfaite connaissance de ses vulnérabilités, hein, de la menace et l'agilité au sens d'être en mesure de faire évoluer ses systèmes, alors à la fois d'innover mais aussi d'appliquer les meilleures techniques disponibles sur le marché afin d'être performant. Voilà. Très bien. Alors, ce n'est pas encore terminé. Nous prenons en compte vos questions. Ne vous inquiétez pas, elles sont là, nous les avons. Alors cette fois-ci, on va changer la donne, c'est-à-dire que je vais poser la question et la personne autour de la table qui se sent le mieux pour y répondre, vous prenez la parole. Par contre, attention, ne m'en voulez pas, je vais devoir peut-être vous couper si jamais votre réponse est trop longue. Alors, première question que nous avons eue de la part de Marc. Quelle différence faites-vous entre la sécurité et la sûreté ? Je peux répondre si vous voulez. Quoique, directeur sécurité, non, alors, peut-être plus à même de répondre. Non, alors, on va dire qu'il y a une définition simple sur la sûreté. La sûreté, on sait la définir par rapport au safety, enfin par rapport à la sécurité des personnes. Voilà. Donc la sécurité, pour moi, ça englobe l'ensemble.
Hein, sécurité bien, sécurité des personnes, sécurité des systèmes d'information, c'est plutôt le terme générique. La sûreté, là, va plutôt être sur la sécurité des biens. Voilà. Et donc, c'est la différence que l'on fait. D'accord, Luc ? Je suis complètement d'accord. La sûreté, c'est sécuriser un patrimoine industriel, le patrimoine d'une entreprise, le patrimoine immatériel. La sécurité traite aussi des aspects humains et elle est au-dessus de tout ça. Très bien. Priscilla, quelque chose à rajouter ? Je peux ajouter, c'est vrai que dans la sûreté, on a cette intention malveillante qui est aussi prédominante. On a parlé des comportements malveillants, des menaces. Et donc, effectivement, l'intention de nuire fait un peu aussi la différence avec la sécurité globale. Eh bien, vous avez de la chance, vous avez la réponse des trois participants en même temps. On va voir sur la deuxième question. Alors, cette fois-ci, nous avons une question qui est concrètement, qu'est-ce que vous recommanderiez de faire en priorité à une entreprise qui souhaite reprendre en main sa sûreté, s'améliorer sur ce plan ? Par quoi il faut commencer ? Je peux commencer un début de réponse. Moi, je pense qu'une des premières choses à poser, c'est regarder quelle politique de sûreté est en vigueur dans l'entreprise. Derrière, de se questionner sur l'organisation et les processus qui sont associés, c'est la première question à poser. Ensuite, il y a une question aussi de sensibilisation. C'est essentiel de sensibiliser les décideurs, les acteurs de ces questions-là dans l'entreprise pour qu'ils aient en tête les bonnes questions, qu'ils se posent en fait ces questions-là et qui, peut-être avec nous, qu'ils commencent à amorcer un début de réponse aux problématiques qui sont posées. Bien sûr, des aspects complémentaires. Peut-être, Claude, tu peux compléter ma réponse. Oui, alors moi, je compléterai par aussi un élément qui me paraît essentiel, c'est qu'il va falloir aussi définir une politique d'ingénierie hein, qui correspond à celle de l'entreprise et aux problématiques de l'entreprise, une politique aussi de sourcing des équipements, des partenaires, pour qu'on ait un écosystème qui soit cohérent et qui complète les forces et qui vient aussi compenser les faiblesses de l'entreprise. Rien à ajouter, c'était parfait. Alors nous arrivons, pour l'instant ils font un sans faute, hein. Vous avez vu, toutes les réponses sont bonnes. On arrive sur la troisième et dernière question que je vous poserai à tous les trois. Le computer vision, vous savez que j'aime ce mot, c'est pour ça que je le répète à chaque fois, est-il natif dans la solution Flexible Safety ? Je lève la main comme à l'école. Alors, c'est pas forcément natif, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est des briques qui sont indépendantes et complémentaires. Donc, si c'est adapté à la situation, bien sûr qu'on proposera de la computer vision. Donc, c'est vraiment cette notion de modularité qui est intéressante. Et donc, dans le cadre de computer vision, on va aussi proposer typiquement cet accompagnement. On parlait tout à l'heure de la co-innovation des workshops et tout le travail en amont qu'il faut faire. Et donc, Claude a très bien parlé hein, sur à la fois les aspects CNIL, réglementaires, sur la communication vers les personnes qui vont être concernées par ce type de dispositif. Donc, on est capable d'accompagner nos clients. Et c'est alors Computer Vision est à la fois une solution qu'on peut vendre toute seule, qu'on peut déployer toute seule. Mais effectivement, comme sur Flexible Safety, on est quand même sur ces problématiques-là. Ça peut être complémentaire avec tout ce qu'on met en œuvre en termes de sécurisation du SI de sûreté. Très bien. Eh bien, Luc, Claude, Priscilla, merci énormément pour votre temps, merci pour votre témoignage. Nous avons fait le tour des questions. Il y en a une dernière, mais je pense que c'est Priscilla qui va répondre assez rapidement. Est-ce que ce webinar est enregistré et sera-t-il accessible a posteriori ? Alors bien sûr, pour non. non, fallait être là. Donc non, bien sûr, on le mettra, il sera à disposition en replay et les inscrits, les personnes qui sont inscrites et qui ont participé recevront également le replay de ce webinaire, bien sûr. Alors je remercie l'ensemble des personnes qui ont regardé ce webinaire. Je remercie mes invités pour leur sympathie, leur témoignage et comme vous avez pu le voir, l'ambiance conviviale qu'il y avait sur le plateau. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à regarder dans le chat le lien disponible pour être rappelé par un expert si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et bien sûr, il y a aussi un document à télécharger. Et si jamais vous nous avez adoré pendant une heure, eh bien vous pourrez bientôt nous re-regarder en replay. Merci à vous, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore. Merci. Merci à tous. Merci.